C'est la première fois que dans une grande ville, on fait un transport en commun en site propre en un seul mandat. Entre la décision et l'inauguration, on aura mis 5 ans. C'est tout à fait exceptionnel. D'habitude, c'est une dizaine d'années. Donc, la ville de Metz, l'agglomération Messine, ont réussi, de ce point de vue-là, un exploit. Et j'en éprouve une certaine fierté, effectivement, parce que les transports en commun, c'est le sang des villes. C'est les déplacements, la mobilité. Et on avait du retard. Du fait d'un réseau viaire de bonne qualité qui fait qu'on arrivait à circuler autrement. Et nous sommes en train de rattraper ce retard. Et on le rattrape avec un produit qui est original, qui est bon marché par rapport à un tramway, qui a les mêmes caractéristiques et la même efficacité, et même davantage, puisque en cas de besoin, comme à l'instant où je vous parle, nous sommes en train de circuler sur les voiries ordinaires, alors qu'un tramway ne pourrait pas le faire. Et donc, on a un très beau produit. Il est beau au sens esthétique du terme. Nous avons réaménagé l'espace urbain tout le long du parcours. Nous avons transformé la ville entre la gare, la place du Roi Georges, la place du Pontifroi. Tout ça est beau. Et enfin, nous donnons aux Messins la possibilité de se déplacer en transport en commun dans des conditions qui sont des conditions du 21e siècle, c'est-à-dire des conditions qui sont excellentes. Je pense que c'était pire que ça. Non seulement les gens sont pleins des travaux, mais il y a eu beaucoup de gens qui ont été au tribunal pour empêcher de faire. Il y en a qui sont contre les transports en commun par définition. D'autres qui ont cru qu'on allait sacrifier la ville. Les ventrer, défigurer, je vous passe le vocabulaire, c'était épouvantable. La réalité est tout autre. La ville est ennoblie. Elle est plus belle. Le moyen pont n'a jamais été aussi beau que depuis qu'il est doublé. Et est-ce qu'ils changeront d'avis? C'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est de faire avancer la ville. Maintenant, les gens font ce qu'ils veulent. Ils peuvent choisir qui ils veulent. Simplement, c'est que en m'élisant en 2008, les gens savaient que j'avais des projets de transport en commun. Je n'ai pas triché avec personne. Simplement, j'ai respecté mes engagements. Je l'ai fait avec enthousiasme. Je l'ai fait rapidement parce qu'on souffre moins quand ça va vite. Hein, et je l'ai fait dans les meilleures conditions possibles puisque nous avons fait des choix techniques qui sont bons. Je pense à des villes qui ont fait des mauvais choix techniques comme Nancy par exemple, qui mettent des années à s'en remettre. Nous avons fait des choix techniques qui sont, à mon point de vue, qui sont exemplaires. C'est pas le moment de parler d'un métis 2 puisque nous faisons deux lignes d'un coup. N'oubliez pas que nous faisons deux lignes d'un coup, c'est une sorte de X que nous mettons en place et en fait on modernise l'ensemble du réseau. Et donc une ville doit toujours réfléchir à ses transports en commun. Par exemple, dans les coteaux de la Seille, qui est une nouvelle ZAC, on a mis des réservations pour un transport en commun en site propre éventuel. Mais il n'est pas question de se précipiter sur une deuxième ligne, une troisième ligne plutôt, parce que nous avons à digérer les investissements, puis surtout à faire aimer ces moyens de transport en commun et à constater que les Messins et les gens de l'agglomération l'utilisent et répondent à nos attentes. Parce que s'ils ne l'utilisent pas, on aura du mal à rembourser, si vous voulez. Donc on est là devant maintenant une période de 2-3 ans qui va être une période de consolidation du réseau de transport en commun nouveau, métamorphosé, qui va être en route à partir du 5 octobre.